Manon Yaorana. Yaorana. Alors ce soir, vous êtes venue nous parler de Tahiti 360, une société du Finnois qui travaille avec Google. Oui, c'est ça. En fait, on avait déjà parlé d'eux il y a quelques temps lorsque leur voiture équipée d'une caméra high-tech faisait le tour de Tahiti. Et en fait, Tahiti 360 travaille donc avec Google pour référencer les routes polynésiennes sur des plateformes comme Google Street View, par exemple. Qu'est-ce que cela va permettre concrètement pour le Finnois ? Eh bien, ça donne une véritable visibilité à la Polynésie sur Internet. Ça permet, par exemple, depuis l'étranger, eh bien, de parcourir les routes du Fénois. On peut également faire le trajet en mer entre Tahiti et Moorea. Et puis, au-delà de ça, Tahiti 360 travaille aussi avec des pensions et permet de visiter virtuellement certains hôtels. Et c'est utile pour les touristes, on imagine, surtout. Oui, ça leur permet de se faire une idée avant de faire leur réservation. Et puis, du côté des acteurs du tourisme, eh bien, ça leur permet de mettre en avant leurs produits sur le web. Et puis, il faut savoir qu'avec Tahiti 360, depuis janvier, il y a eu plus de 850 000 images qui ont été publiées sur les plateformes Google et plus d'un milliard de vues. Donc voilà, c'est une belle promo pour la Polynésie. Et les membres de Tahiti 360 ne s'arrêtent pas là puisqu'ils vont bientôt participer à la conférence mondiale de Google. Oui, ce sera en septembre, les 24 et 25 septembre. Et Christophe Courcot, qui est à l'origine de Tahiti 360, nous en parle. Pendant cette conférence qui dure deux jours, on va présenter pendant une demi-heure tout ce que l'on fait, c'est-à-dire à la fois de la cartographie routière, la cartographie également sur le lagon, en mer, sur les chemins, mais également tout ce qu'on peut apporter au commerce, donc hôtels, restaurants, pensions, pour les aider à se référencer sur Google. Et ce n'est pas forcément que pour le cadre du tourisme qu'on utilise ça, on peut utiliser également ça pour la gestion des routes, l'état des routes, pour le niveau d'urbanisation d'une commune. Et Tahiti 360 qui a d'autres projets pour la suite. Oui, alors ils ont cartographié les routes de Tahiti et après ils vont s'attaquer aux îles. Donc ils ont pour projet de faire le tour de Moorea et puis pourquoi pas d'aller aux Marquises aussi. Merci Manon pour cette rubrique Webzone. On se retrouve la semaine prochaine.